déjà atterré par la campagne la campagne était d'une grande vulgarité d'une grossièreté constante elle était d'un sexisme agressif euh, elle valorisait le racisme d'ailleurs euh, l'actuel président des états unis en tout cas le président élect comme ils disent euh, a reçu le soutien du lucus clan euh, je rappelle que on, on lynchait encore des africains américains en 1980 euh, donc voilà il porte tout cela c'est un raciste Alors, qui entre à la Maison Blanche. Je ne sais pas si c'est un raciste, mais c'est quelqu'un qui, euh, par ses propos, a justifié le racisme. D'ailleurs, on nous indique hein, que dans les manifestations de protestation, il y a, parce que souvent des affrontements, euh, principalement verbaux, heureusement, mais pas seulement, euh, il y a des propos racistes qui sont ouvertement proférés. Donc, il a stigmatisé des catégories. Il a stigmatisé les Mexicains, il a stigmatisé les musulmans, il a, il a été d'un du, du, sexisme vraiment agressif euh, contre les mmh. femmes, une misogynie même, en plus du, euh, du sexisme. Euh, il a été d'une grossièreté euh, qui projette sur la société, quand même, euh, la banalité euh, de propos vulgaires, euh, agressifs. Euh, donc, voilà, c'est quand même cette personne-là qui est entrée euh, à la Maison Blanche. Une Mais il a eu autant de voix que le Parlement. Entière. Il a eu autant de voix qu'Hillary Clinton, donc il a eu euh, un petit peu moins. Un, un petit peu, peu moins. moins euh, euh, Ces électeurs, est comment oui. qualifieriez-vous les électeurs de Donald Trump – Alors il y, a, il y a évidemment du travail qui a été fait par des spécialistes, hein, donc j'ai regardé euh, les analyses sociologiques qui ont non été faites sur les catégories. – Non mais est-ce qu'ils sont racistes, misogynes C'est ce qu'avait dit Hillary Clinton pendant la campagne, elle avait dit la moitié des électeurs de, de, des, sont, de, de, de Donald Trump sont déplorables. Est-ce que vous diriez que la moitié des électeurs de Donald Trump sont déplorables ?– Je ne leur dirais pas ainsi, mais il est incontestable que des personnes qui votent pour un, un, un candidat qui de façon euh, aussi, aussi claire, sans nuance, euh, tient des propos racistes, xénophobes, sexistes, sont des des personnes qui soit considèrent qu'il y a une résonance par rapport à leur conception, à eux, de, euh, des relations dans la société, soit des personnes qui considèrent que c'est tellement banal que ça peut passer par pertes et profits par rapport à autre chose. Donc de toute façon, il y a un problème. De toute façon, il y a un problème.